Que c'est classe de voir une rideuse aussi sûre d'elle. Ça, c'est la marque des grandes championnes. C'est la rideuse à suivre cette saison. Premier virage. Quel décollage! Attention à la réception! Difficile de dire qui est en tête. C'est serré, très serré. Il faut continuer d'y croire. Très belle. Ça ne changera pas vraiment l'issue de la course. Décuple le saut. Quelle longueur! Oh, l'écart est creusé. Il faut vraiment accélérer pour avoir une chance. Accélérer pour pouvoir continuer d'y croire. La course était perdue de toute façon, mais maintenant on en est certain. Il faut conserver la vitesse sur cette courbe. Deuxième virage. Incroyable, tout simplement incroyable. C'est dommage, mais de toute façon, la course était jouée. Ça, c'est vraiment autre chose, hein. Cette bête dépasse de très loin tout ce que t'as pu railer avant, et c'est aussi extrême que ça y paraît. Ne te laisse pas effrayer, parce que c'est ce qu'elle veut. Cette montagne va jouer avec tes nerfs. La première minute, tu fais du trek sur des glaciers millénaires, et la suivante, t'essaies de sortir en un seul morceau d'une île à 60 degrés de dénivelé. Faut que t'ailles là-bas, railer ces champs de poudreuse.
Fais-toi ces lignes de crête, domine les cieux et montre au mont Denali ce que tu veux. Le coin abrite des pentes extrêmes. On m'a parlé aussi d'une série et d'une petite île qui serait parfaite pour le freestyle, donc va voir ces spots. Ici, la seule façon de te faire un nom et de booster ta réputation, c'est de repousser tes limites encore plus loin. Mais fais attention, parce que cette montagne est connue pour briser même le meilleur des meilleurs. Tu sais quoi? Bienvenue en Alaska! Yeah.
Alors, première classe.
tu commences à en énerver pas mal à force d'être à ce niveau-là. Maintenant et tout de suite.